Ok, merci. Alors l'art, c'est une métaphore et ça sert à rien. Ça sert à rendre la vie plus belle. Alors, je pense que l'art, c'est le travail de l'artiste. Et à quoi ça sert? Ça sert. Je sais pas. Ça sert. Je sais pas. Je sais pas. Donc, moi, je pense que l'art, c'est la vie. Ça sert à faire. Et ça sert à mieux donner ensuite. Alors l'art c'est ça et ça sert à ça. Voilà. L'art c'est pour être libre et ça sert à mieux vivre. Voilà. Mais l'art, c'est la réponse au bonheur et ça sert à rendre la vie plus belle. Alors l'art, c'est sans doute le meilleur moyen de s'exprimer et c'est aussi un bon défouloir. Pour moi, l'art, c'est un loisir, puis ça sert à se divertir. Alors, pour moi, l'art, c'est une recherche perpétuelle et ça sert à embellir la vie. Alors pour moi, l'art, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et à quoi ça sert? À quoi ça peut bien servir? Je pense que ça sert à satisfaire un appétit. Alors l'art c'est compliqué et ça sert à se poser des questions et à mieux se connaître soi-même. Alors l'art c'est autre chose et ça sert à... L'art c'est cool et puis ça doit faire plaisir et puis c'est tout. L'art c'est du nido et ça sert à passer le temps sans se faire trop chier. Alors l'art c'est le jeu du monde imaginaire et ça sert à s'exprimer. L'art, c'est l'imaginaire et ça sert à s'évader.
se créer, ça sert à faire réfléchir, à penser. C'est nous, moi, tout le monde, et ça s'arrête même. L'art se fait plaisir, mais ça ne sert pas forcément à grand chose. C'est moi et ça me sert. Il faut aller sur la croix rouge. Et au sol. Ok. Oui. Tu vas? L'expression, la vie c'est sympa, la mort c'est s'embêtant. Parlez de vous toi, je veux pas qu'on vous entende pas. Alors, l'art, c'est un moyen de s'exprimer. La vie, c'est le mouvement. Et la mort, c'est la fin. La vie c'est difficile et la mort c'est inévitable. Alors là, ben, c'est l'expression de l'anxiété. La vie, c'est ouais, difficile. La mort, c'est je sais pas ce que c'est encore. La vie, c'est pas facile et la mort, c'est une étape dans la vie. Échapper à sa condition humaine, la vie une longue souffrance et la mort un soulagement. Alors l'art c'est toutes les choses qui m'entourent. La vie, c'est long
Et la mort, je ne sais pas du quoi. Il n'y en a pas une ? Non. Rouge ? Tu crois ? Rouge. Tu crois ? Ah, c'est là ! Voilà. Elle est à moitié effacée. Donc, l'art, c'est une vision des choses. La vie, c'est. C'est bien. Et puis, la mort, c'est la fin. Donc l'art, c'est ce qui est immanent et c'est un moyen de marquer une évolution dans le temps. La vie, je ne sais pas encore très bien ce que c'est, et la mort, c'est comme une boîte de conserve où tout s'émancipe une fois qu'on n'est plus là, quoi. Enfin, une fois que ça se consomme, ça se disperse, enfin, ça prend tout son sens, quoi. Donc l'art c'est un état d'esprit, la vie c'est un tas d'emmerdes et puis un peu de gaieté, et puis la mort c'est la dernière emmerde. L'art c'est toutes les choses de la vie. La vie c'est... C'est super. Et la mort, c'est rien. Voilà. L'art, c'est la création, la vie, c'est beau, mais en même temps, c'est ennuyant, par moment. Et la mort, c'est une fin en soi. C'est une grande occupation, création. La vie, c'est un fleuve tranquille. Et la mort, c'est... il n'y a plus rien. L'art, c'est la création, la vie, c'est le présent, et la mort, c'est l'inconnu.